La chance nous a souri. La chance nous a souri avec un coffre incroyable. Coffre légendaire, il s'appelle ? Ah non, il s'appelait pas légendaire avant. Ah non, il s'appelait pas coffre légendaire. Coffre légendaire, c'est pas celui-là. Contient une carte légendaire de n'importe quelle arène. Légendaire. Joker garanti. Un champion garanti au niveau 14. Non, c'était pas comme ça que ça s'appelait. Jeu bizarre. Il s'appelait comment normalement ? Coffre d'amélioration ? Marche du roi ? Ça s'appelle coffre joker, je sais plus quoi. Bon, ce coffre-là, il est incroyable, non ? J'espère. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Clash Royale, petit compte, 936 000 or, voilà, petit compte. On reviendra sur le grand compte aussi, il faut tout gérer, hein. On gère tout là. Code créateur BFA dans la boutique. Mais qu'est-ce qu'on va acheter ? C'est ça la question. Parce qu'on met ça en général pour acheter un truc. Il n'y a que les émotes. Moi, je veux des offres, les potes. Je veux qu'on me mette des offres. Super, ça, mettez-moi des offres, j'ai envie de dépenser. Voilà, je vous le dis. Bon, il y a des bonnes nouvelles. Il y a le coffre, très bonne nouvelle. Il y a tout ça comme bonne nouvelle aussi. On est pas mal. Ça serait peut-être le moment, d'ailleurs, c'est la seule commune que j'ai, par rareté. Voyons voir les communes. Donc, on a du niveau 8, du niveau. D'accord, il trie pas par niveau. On a les barbares d'élite niveau 12, mais on va pas les passer niveau 13 avec ça. Et puis donc on veut du 14. Donc la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'on l'avait fait sur le gros compte, rappelez-vous, mais on va le faire sur le petit compte, le GR14. Qu'est-ce que ça va donner? Donc ça mérite moi j'aimerais bien savoir si... Alors il y a plusieurs choses. D'abord, si vous êtes toujours chaud, les 1400 pouces bleus, on met un nouveau record, 1400 pouces bleus pour une prochaine vidéo Clash Royale. J'aimerais bien aussi pack opening des abonnés sur Clash Royale, ça peut être super sympathique. Pour participer, c'est bfa.pack.cr@gmail.com. Voilà, donc je vous invite à utiliser ce mail. Vous utilisez grosfichier.com, comme sur Brawl Stars, et vous m'envoyez vos pack opening CR. Mais dedans, je veux qu'on voit que vous êtes des vrais, petit code BFA dans la boutique, et que après, vous me montrez les cartes que vous voulez obtenir. Pas là, mais là, vous débrouillez sans parler, vous cliquez, ou si vous voulez pas vous parler, qu'on sache qu'est-ce que vous voulez obtenir, et après on peut prier avec vous pour obtenir la légendaire de vos rêves ou les cartes de vos rêves. Voilà, ça m'intéresse, ça c'est dit. Et du coup, voilà, puis s'il y a des nouveaux abonnés, comme d'habitude, un petit 20 abonnés supplémentaires, ferait plaisir. Les 20, manifestez-vous, je suis le numéro 2, 3, 4, 5, bon, non, ça c'est... Je vous salue. Et regardez, hein, je le fais. Hein. Chaque vidéo, je mets des cœurs et des machins. Je suis là. Je suis avec vous. On est ensemble. Discord aussi, si vous voulez, on jouera ensemble. On en parle plus tard. Du coup, faut y aller. Hein. Faut y aller, les potes. On n'a pas le temps de niaiser, donc on y va. On va mettre ça. Bim. J'ai très envie de me faire un deck level 14, les potes, avec le MK et le GR. Mais je sais pas, ça va faire très cher. Hein. Pensez que ça peut être jouable ou pas. Faudrait tenir. Du coup, 100 000, on a un écu. Donc si on a les culs, faut utiliser les culs. Voilà, faut utiliser les culs parce que là, de toute façon, on pourra en faire un truc. Donc on utilise les culs. Voilà, purée, c'est bon ça. Oh là, regardez-moi ça, il est pas beau. Il est pas beau, il est magnifique. Ok, donc on pourrait utiliser le deck en l'état, voir ce que ça donne. Et machin. Bon, deuxième chose, on ouvre ça. Clé de coffre, on est venu pour du pack opening ou on est venu pour du pack opening? Donc pack opening, pas des abonnés, mais de Bibi. Alors, 9500. Ultra propre. Combien de jokers? 200. BG. 55. Un peu moins BG. Combien ça? Une vingtaine? 15. C'est très honorable. Ah, c'est tout joker en fait. C'est le coffre joker, c'est tout sous forme de joker. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Un joker légendaire, machin, truc, machin. Alors, la bûche. Elle est level 10. Laissez-moi voir mes légendaires. Est-ce que... Parce que c'est vrai qu'avec un joker aussi, tatati, tatata... est-ce que... On monte... ouais, purée, le même K-Max, il fait plaisir. Molos, on va pas le monter. La Kaba, machin... Y a le... Moi, je pense que la bûche, en vrai, il faut que je la monte. Hein. Je pense que la bûche, il faut la monter. C'est important. Si je trouve qu'on des... voilà, qu'on est des FU14, FU13, il faut pouvoir les déglinguer. Donc, on va utiliser ça sur la bûche. C'est parti. Voilà. Ça, on se paye bien, une bûche. Voilà, ça c'est important, hein. C'est cher, hein, mais c'est important. Voilà, parce que quand même, hein, 3 légendaires, bon, voilà, c'est pas 3 jokers, hein, quand même. Hein. On n'a pas des masses. Ok, voilà, il y a le... Bon, le sorcier de glace, il passera pas 14 tout de suite, et prochain livre ultime, et encore, je sais pas, peut-être qu'on voudra une autre légendaire, on verra d'ici là. Au niveau 146 sur 400, on n'a pas un livre de rare, la cage gobelin, évidemment, on a bien envie. Les petits squelettes, j'ai pas envie de les passer, dit, je me dis qu'il y a peut-être plus urgent. Donc, on teste comme ça. Et on... Ou alors on teste direct avec le MK ou pas. Bon, ok, confectionnons un deck ensemble. Alors, pas ça.
Ça non plus, on peut virer. Je sais pas ce que ça fout là, ça, mais on peut virer. Non, vous faites ça, on peut virer. Ça aussi, on peut virer. Bon, alors le 7, on peut tout virer. On a dit MK 14 avec Sorcier de glace, qui est 13. On va essayer de mettre des grosses cartes, en fait, hein, qui sont bien évoluées. Mais alors, attendez, parce que là, si je mets les... Là, déjà, 7, 6, on est chez Ross. Donc, on a un petit squelette. Avec quoi on défend? Est-ce que... Parce que Cash Goblin, c'est combien déjà? C'est 4. Ouais, mais Cash Goblin, je peux pas m'en séparer, moi. Cash Goblin, ok. Méga Gargouille... pas forcément. Ah, il me faut des sorts, hein. Il me faut ma bûche, hein. Ah, je peux pas, il me faut ma bûche. Mais là, ça y est, là, le deck, il est plié déjà, je pense. Hein. Là, en vrai... Là, vous voyez, vous sentez le truc plié déjà ou pas? Là, si je fais ça, le deck, il est plié en vrai. Par contre, la défense... Ouais, en vrai, la défense avec le MK. Hein. 3.8, le deck. Hein. Un peu chez Ross. Est-ce qu'on peut s'en sortir? On voit ça tout de suite. On voit ça tout de suite. Après, les push... Ouais, les push, après, ils sont... Bon, c'est des push GR. Allez. Main de départ, pas dégueu. Très défensive, comme j'aime. Voilà. Ça sort une sorcière 14. Ok, le mec a la sueur de son front parce qu'il est level 10. Hein. Il est level 10, il a dit la sorcière, c'est sa passion. Ok. J'attends vraiment de voir ce qu'il met un truc devant. Il met un truc devant. Bon, pas les trucs les plus ouf, mais quand même. Voilà, ok. Est-ce qu'on peut counter derrière? Oh, il met un molosse. En vrai, je peux faire ça direct. Ça va lui mettre la pression, il va être obligé de défendre. Voilà. Mais après, j'aurais dû peut-être attaquer sur l'autre ligne aussi, c'est vrai. Il a quoi comme défense? Ah, il a pas une défense de ouf. Ah, il défend au cochon, d'accord. Ok. On va mettre ça. Cash Goblin, ça passe? Ouais, je crois que ça passe. Ouais, magnifique, avec le slow. C'est tranquille. Il met l'armée de squelettes, on s'en fout. Derrière, on a fait une défense béton. Et avec tout ça, on n'a pas utilisé le GR. Ok. Moi, je pense qu'on est très bien, là, en vrai. On est très, très bien. J'ai pas vu le dévot. Alors, il a... Ok. En fait, il a tout misé sur la sorcière. Alors, non, je vais faire ça, je pense. Je vais le mettre là. Est-ce qu'il a le temps de toucher là? Non, il touche pas. Purée, ça c'est pas malin en fait. Hein. Ok, c'était pas ultra malin. Ok, ça fait des dégâts ce truc. Ah ouais, ça fait des dégâts. Non, pas tôt que ça. Hein, leur petit. Pas de ouf les dégâts. Hein. Le GR14, quel plaisir. Les moins 400 de dégâts à chaque fois. Purée. Oh là là, regardez-moi ça. Il va prendre la tour. Allez, encore un coup, et après c'est bon, allez hop là, et voilà, la tour elle est prise, ça c'est fait, oh, satisfaisant, oh là là, c'est une vidéo satisfaction les potes, oh c'est incroyable, ok, là je vais lui mettre un MK dans la tronche, bim, voilà, d'accord, lui, Cash Goblin ici, ouais vas-y, mets la bûche, vas-y, pas de problème, mets la bûche, ton cochon va mettre un coup, et basta. On va quand même mettre la bûche ici, voilà. Ça mériterait ça. Ça mériterait ça. Et ensuite derrière, bah purée, du coup là j'ai en royal, hein, puisque là du coup on est vachement offensif. Hein. Oh là 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 là, on va. Là on est vénère un peu. Hein. Là on est vénère, mais ça s'est bien passé quand même. Bon, ça s'est très très bien passé. Vous savez comment ça se passe. Pas toujours comme ça. Donc bien joué, oh, franchement là on a mis les cartes ah, ça c'est bien, voilà. Bon, c'était pas ah oui d'accord, il faut commencer à mettre des choses. Alors attends, est-ce qu'on commencerait pas à booster les barbares d'élite, ou est-ce qu'il y a une autre carte commune qui nous intéresse de ouf? J'ai pas d'autres cartes communes qui m'intéressent de ouf à part barbares d'élite. Donc je pense que Barbare d'élite va prendre sa dose. Hein. Ouais, va prendre sa dose, hein, les potes. Hein. Barbare d'élite, il va prendre sa dose. On va lui mettre 1500, voilà, tout ça là. Il va être presque à mi-chemin de son level 13. Tranquillos. Tranquillos. On y va. Je sais pas si je débloque ça, parce que je vois peut-être s'il y a un coffre en argent. Je le débloquerai d'abord. Le coffre en argent. On retente notre chance pour confirmer ou pas le deck. Il me paraît un peu cher, moi. Il me paraît un peu cher. Je pense que je vais avoir des galères de temps en temps. Là, j'ai une main... Bah, on va descendre OMK, du coup. Parce que... Voilà, tac. Il met un coup. Il met un coup. Très bien. Voyons voir combien de... S'il a TDE, Dragon Infernal, truc comme ça, ça peut être relou. Ok, il a pas ça. Ok. J'aurais pu... Vas-y. Oh, il a pas avancé. Oh purée, je pensais qu'il allait avancer, mais mon MK, il a trop de points de vie. Le pré-shot, il était claqué. Je viens de jeter une PDF dans le vide.
Oh là 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 là. Vas-y, fais ton fireball machin là. Ok, il a quoi d'autre? Parce que vu comme il a défendu mon MK, je pense pas qu'il a des trucs de ouf pour des pour défendre des grosses troupes. Ok, ouais, petite tornade, c'est pas trop méchant en vrai. Allez, moins 400. Allez, 1800. Upgrader, on va lui mettre cache un peu plus haute parce que voilà, comme ça il fera le chemin, peut-être qu'il mettra 0 coup. Il mettra 0 coup, effectivement, magnifique. Ok, très bien, on va mettre un coup de MK. Bim, hein. Oh, ça se passe bien au niveau. Ouais, magnifique. Puis on a le temps en fait, le temps que le MK il se fasse déboîter, je récupère d'élixir en fait tranquille. Ok, il y a mes petites squelettes, donc là on fait pas la même erreur. Oh, dommage. Oh là là, comment. Oh là là, il one shot tout le monde, les potes. Oh là 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 là. Oh, c'est magnifique. C'est magique, hein. Alors, vas-y en commentaire. Ouais, c'est pas la carte la plus forte, mais un bon nerf. Oui, oui, oui. Bon, mais là, quand même, hein. Quand même, hein. Quand même, il est vénère. Il est vénère. Et là, je vais partir à droite direct, les potes. Hein. Je vais pas le. Voilà. Puis là, il va mettre son armée de squelettes, ou je sais pas quoi. Normalement, il devrait la mettre là, l'armée de squelettes. Mais bon, ok, mes tornades. Très bien. Bah là, ça l'embête un peu, le. Oh là 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 là. Oh là 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 là, les potes. Là, pour le coup, je veux lui mettre sa BDF, là. Là, il va la prendre, parce que les pauvres MK. Et là, on va lui remettre ici. Hop, 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 reviens ici. Voilà. Petit squelette, c'était pas nécessaire. Mais ça me permet de cycler un peu. Bon. OMK, lui. OMK. On a masse élixir. On en est vraiment bien, hein. Franchement... Bah, je pense que c'est une bonne. En vrai, alors c'est vrai qu'on n'a pas augmenté nos cartes dans l'ordre. On a des cartes qui sont level 8, machin truc. Mais bon, deux cartes level 14 dans un deck, plus une level 13 au niveau du. Eh, franchement, ça fait la diff un peu, non? Ça aide à mieux monter, vous pensez pas? Je pense que c'est une bonne strat, hein. Bah, après, voilà, il faut la variété du jeu. Parce qu'après, si j'en ai marre du MK et tout ça, là, bah, j'aurai pas grand chose. Je mets la pression. Ah, le géant royal. Non mais là il va peut-être pas passer, le MK il va être trop lent pour aller mettre les trucs, il a des obstacles devant. Non, je prendrai pas les trois. Ouais, bon de toute façon. Bon ok. Ah papa, ok, il y a pas plus qui est là. Ok, alors attendez. On termine la vidéo quand même. On termine la vidéo avec papa. Attendez. Alors, on est bien sur le deck. On est très bien sur le deck, on continue. On continue et on a des supporters. Donc on va faire un petit coucou ici. Voilà, magnifique. Et là on pose. On se pose. Ah voilà, nickel. Ah bah qu'est-ce qui se passe? Lui aussi il m'a mis le. Ok. Agressif. Ok, j'ai pas trop envie de push là direct. Ok, trois petits squelettes. J'aimerais bien qu'il dévoile son jeu. Bah, je vais dévoiler moi du coup. Hein. Ok, mini PK, ça c'est. Ouais. Quoi d'autre? Ok, un canon, ça peut être relou. En plus, ouais, je touche la tour là. Ouais, bon, la BDF qui était vraiment pas intéressante du tout. Que j'ai pas touché en plus. J'ai pas touché les potes. Oh, vas-y, on va mettre la cache goblin. J'ai plus d'élixir à cause de ça, alors j'aurais pu MK sinon. Donc, ça défend. Ah ouais, ça défend, mais ouais, non, je vais prendre des coups quand même. Donc, on va peut-être te redéfendre. Donc, c'est mauvais ce que je viens de faire. C'est très très mauvais. Ah ouais, là je fire et tout. Donc je vais être obligé de sortir de glace aussi. Ouais, oh là 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 là. La tour qui va tomber. Oh, 132, elle est quasi tombée. Très très mal joué. On paye tout de suite les pots cassés, hein. On paye tout de suite les pots cassés, hein. Cette BDF inutile. Et voilà. Et je perds la tour, tout simplement. Donc. Là. On va faire ça. Du coup, je sais pas trop quoi faire là parce qu'il va mettre son canon là. Non, mais pas le canon. Ok. Ok, ok. Donc on est pas très bien. On va mettre ça ici, cache goblin. Bah en vrai, on va partir de l'autre côté, je crois. Hein. Ouais, on va partir de l'autre côté. On aura lui qui va aller devant le canon, peut-être. Ça va tanker un tout petit peu. Ouais, ça tanque à. Ouais, un demi-tank, hein. Ah, oh, purée, là, ici. Oh, là, on va pas passer, là. Ah, la punition, là. Là, on se fait punir, hein. Parce que là. Ok. Je sais pas hein, comment je vais remonter, hein. Je vous cache pas que je suis un peu embêté. Là, il joue bien. Moi, j'ai mal joué.
Là, je vais mettre ça pour contrer son cochon. Ça, c'est pas trop gênant. La mousquetaire, on va prendre les dégâts. Ok. Là, on va essayer de passer en force ici. C'est peut-être là. C'est là que ça se passe. Les potes. C'est là qu'on remonte. C'est là. Vous voyez le bus qui arrive là. Là, il est débordé. Là aussi, il a fait son erreur, je crois. Il a un peu forcé avant là, avec son cochon inutile. Voilà. Là, il paye. Hein. Là, il va payer les potes. Hein. Oh là, il va payer cher. Hein. Oh là, il va commencer à avoir des grosses cartes. Hein. Oh là là. Oh, attendez là. Mais sauf que moi, je vais pas. Oh purée, si purée là. Là, j'ai pas vu les dégâts que je mettais en haut là. Oh, truc de malade. J'ai pas vu que je le défonçais sa race en fait. Oh. Je le déboîte. Oh là 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 là. En fait, avec le x2 élixir, je me suis pas rendu compte, mais là, j'avais tellement... Oh. Alors là, j'aurais pas cru. Bibi, là, il aurait pas cru. Ajouté à la file. Oh là là, satisfaisant. Eh, ça a débloqué mon rush, ça, je crois. Je pense qu'on peut faire un nouveau record. Je crois que je suis à 5235, le record sur ce compte, là. Je pense qu'on peut faire quelque chose, là. Oula, il y a du lourd, là. Mais je l'ai en plus, cette emote, moi. Mais je l'ai pas dû le mettre dans le nez. Ok. Ouh, j'aime bien. Un électro géant 13. Très bien. Aïe. Pourquoi aïe? Il n'y a pas de aïe. T'inquiète. On va assumer. Fais pas genre nanani. Lui, alors ça, c'est des genres. Vous les connaissez, les full level 10 qui pleurnissent genre. Je pleure pas, nanani. Allez. On sort l'artillerie. Peut-être que. Elle, en vrai, il faut que je la bûche, non? Attends, ça la touche ou pas, elle? Si ça la touche pas, je suis nul. Ok, je suis pas. Aïe. Ok. Il a pas mis grand chose. Ok, là mon MK il est dead. J'ai plus trop d'élixir. Ok. Je pense qu'il faut temporiser jusqu'à le x2 au final. Hein. On va attendre. Faut défendre bien et en x2 on sera bien. Vas-y. Ça je mets ça. Et là je vais. Il a un. Voilà. Level 12 son truc. Ok, normalement on gère. Je pense que ces deux trucs suffisent. Voilà. Il aurait eu 13, il aurait peut-être fallu les petits Larry. J'attaque pas. Franchement, je pense que je vais lui laisser la surprise hein, du... Quoique... Après, je sais pas, enfin... Ouais, je vais partir là. C'est quoi, c'est une Valkyrie? Ouais, c'est bon. En vrai, il n'a pas de fût à truc, hein. On dégage ça, non? On dégage ça, on touche un peu la tour, voilà. Voilà, très bien. Je vais lancer les squelettes dans le vide. Je vais. Là par contre je vais mettre le MK là. Oula. Vas-y, passe le MK. Oh ouais, il passe très bien là. Oh là là, le mini PK qui voltige hein. Mini PK on l'a pris, on l'a jeté en l'air, vas-y dégage. Là il va être obligé de défendre. Wow, il va rien défendre. Wow, c'est quoi ce truc là? Ah mais je crois que le gars il a give up hein. Ah non, il a pas give up. Il est juste très. Oh là là, et là je rivale. Là frérot, il y a GR14 qui arrive. Détente. Oui, petite Valkyrie, vas-y, défends-le la Valkyrie, va prendre des coups de... Vas-y, je touche pas les deux là, vas-y j'essaye, trop tard. Vas-y, ramène ton méga chevalier là. Voilà, très bien, allez on vous met les petits squelettes qui split comme ça, magnifiquement, en haut, en bas, nickel, attention, le GG qui revient comme back. Ouh là là. Ouais vas-y, c'est trop satisfaisant en vrai là. Non, je suis satisfait. Hein. On lui laisse prendre la tour ou pas? J'ai envie de lui laisser. En vrai, je vais lui laisser prendre, mais tout en défendre. Bon, ça, non, je lui laisse pas prendre en fait. Là, je crois quand je fais ça. Oh, d'accord. Et il en prend une quand même. Ok, il en prend une. Non, parce que je voulais le 3 couronnes, mais bon, en vrai, on va pas être gourmand, on va se calmer. Et voilà, et on finit comme ça. GG, bien joué. Oh là là là. Attendez, c'est satisfaisant parce que. Ce deck, on l'a fait ensemble, là, comme ça, là. Bon, vous avez remarqué avec mes decks, il y a toujours les mêmes cartes, hein. On fusionne, c'est-à-dire que j'avais un deck avec tout machin comme ça, avec juste le MK, maintenant, c'est... on a mis les deux ensemble, on a juste viré quoi, en fait? Qu'est-ce qu'on a viré au final? Un bébé Drake, je sais pas. Faites voir, là, si je veux juste voir, là. Baby Drake, ici, on l'a viré. Et là, on avait un cochon qu'on a viré parce que je me suis cochon royal pour faire des tests. Magnifique. On revient vers cette... Il y en a qui m'ont demandé, t'as des maîtrises niveau combien? Alors, les maîtrises, j'en ai des pas mal. Hein. J'en ai des pas mal. Ça, niveau 3, ça va rapporter un peu de légendaire, ça, ou quoi? Non, ça rapporte 8000. Ça fait plaisir. Hein. Ouais, les maîtrises, mine de rien, ça, j'en ai pas mal maintenant. Que ça, On les farme pas mal. Je pense qu'il y a pire que moi, mais... J'aurais dû ouvrir, hein, attendez. Annulation.
J'ouvre. Ouais, je claque des quêtes coffres pour des coffres en or, moi. Ouais, je suis comme ça. Voilà. Tac. Et au moins, on va chercher peut-être une surprise. Mais on en a eu beaucoup des bonnes surprises déjà. Alors, je sais pas si on peut trouver encore des trucs incroyables. Bien, je suis hyper satisfait. Hein. On fait un massacre. Et on fait des remontades. Ok, ça j'aime bien. Et hop, tout de suite. En fait, Mega Knight, en fait. Pour... Alors, attendez, faudra chercher la bûche que je n'avais pas. Hein. Donc, j'ai pris des dégâts. Mais du coup, je reste serein. Ça dépendra de ce qu'il a pour défendre, en fait. Simming. Non, ça va en vrai. Oh, il va le défoncer, non? One shot? Non, il le one shot pas, d'accord. Mais quand même, il garde un peu de vie, là. Ouais, non, pas suffisamment pour mettre un coup. Derrière, on. Voilà, c'est bien, c'est bien. J'avais pas la meilleure main de départ, hein, qu'on se le dise. Mais du coup, je vais garder ma bûche pour son. Merde, je voulais la casser à une case à gauche. J'ai glissé, je rêve pas. Voilà, il me faut un iPad, hein. Ok. Il va au MK12. Ok. Je vais partir là, hein, je pense. Hein. Je vais partir là. Je vais mettre ça là. Et je crois que je vais pouvoir lui répondre au... Voilà. Je lui ai répondu. Hein. Je lui ai répondu. Bon, je me prends les coups de gargouille, mais bon, pas longtemps, quoi. Voilà. Voilà, j'ai perdu la moitié de ma vie, mais la moitié d'AMK, quand même, c'est vénère. Hein. Les gars, rien qu'en def... Rien que la def, c'est, en soi, c'est un counter push la def. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est pas mon offensive. C'est pas fait pour être mon offensive principale. Et là, il est essuyé le gars. Vas-y, mais je pense qu'ils vont péter des câbles. Hein. Ah ouais, je pense qu'on est. Attendez, là, on aurait peut-être pas dû poser. Non, c'est ça. Ouais, c'est pas méchant. Pas méchant. Pas méchant. Pas méchant. Vas-y, petit squelette. Comme ça, il peut taper. Voilà, tape, tape, voilà. Voilà, il a pas pris les coups. Il en prend même pas un maintenant. Très bien. Il est obligé de le. Bon, pas obligé de le défendre, mais il va mettre un peu de dégâts s'il fait rien. Voilà, donc il défend. Voilà. Très bien. Lui, j'ai envie de le BDF. C'est... J'ai les moyens, non? J'ai les moyens. Lui. Attends, par contre, le BDF du. Là, j'étais pas prêt que son bourreau, en fait, il a plus de vie que je pensais. Hein. J'ai pas. Là, j'ai pas les bons repères. J'ai pas l'habitude de jouer contre bourreau, là. Du coup, voilà. Du coup, voilà. Là, je l'ai mal placé, ma cage goblin aussi. Ok, bon, donc, ok. Des petites erreurs, mais pas. C'est pas trop méchant. On va positionner ça là. On va mettre une méga gargouille par-dessus. Ouais. On va mettre le. Ouais, bim. Là, on lui enlève tout espoir. Là, il a brain ou pas? Non, il brain pas. Donc là, ça défonce. On va remettre un. Voilà, ok. Bah, il y a le MK qui. Bah, c'est pure défense. Ok, là, ça fera, c'est pas grave. On va pas chercher la. Ah. Mince. Ici, vite. Dépêche-toi. Voilà, désolé, j'ai un peu... Voilà. Non, ça passe pas du tout. Ouais, il passera pas du tout, hein. Eh, on counter, là. Très bon, le deck, en vrai. Cheros, mais... Ouais. Il cycle... Il est pas fait pour cycler, mais... Il déboîte, hein. On n'a pas perdu une game, des potes. Coffre géant. Vous avez compris pourquoi il fallait... Coffre géant. On va l'ouvrir ensemble. On va l'ouvrir ensemble, évidemment. 2 clés sur 8, c'est parti. Allez. Coffre géant, du coup on veut du barbare d'élite. On veut clairement du barbare d'élite. Donc un gel, on s'en fout. Ça on s'en fout. 296. Alors c'est pas la bonne surprise. 49, d'accord. Bon bah alors ok. Bah c'est pas ce qu'on voulait, mais 5267. 5267. Oh, meilleure saison, 5279, c'est pas vrai. Tu me dis ça maintenant là? Mais c'est pas vrai ce qu'il dit. Ah ouais, 5279, mais quand j'ai fait ça, moi? Bah du coup, c'est pas le record. Bon, ok, c'est pas le record, mais on a une balle de record. C'est maintenant. Attendez, je vous fais un record de trophée. On y croit en ce moment. Level 12, c'est là qu'on descend. Ok, et la main de départ, elle peut être gérable. Si on fait ça, et qu'on fait ça. Je sais pas si c'est le meilleur move à chaque fois, mais moi j'ai des habitudes en fait. Moi s'il y a mieux à faire que ça, mais j'aime bien, je me dis je la positionne, machin, truc, ça me fait des élixirs que je stack. Là par contre il va falloir faire Bimus, voilà. En vrai ça contre ça, non les ouais franchement le Mega Knight il... Mais il counter des tellement de choses ce truc en fait. Moi c'est pour ça que je trouve que cette carte là elle est forte, elle est chère mais elle est tellement forte. Voilà, là du coup il est en galère. Il a quoi pour défendre? Ok.
Voilà, il y a même ça, c'est pas... Voilà, il dépense, hein, il dépense. Et là, derrière, il peut prendre un coup derrière. Regarde, il va prendre un dash. Oh là là, c'est très cher, le dash. Hein. Et là, j'ai envie de faire ça, derrière. Là, j'ai envie d'attaquer, du coup. Tellement que j'ai des élixirs, je me dis, vas-y, on y va, on y va. Là, il a plus grand-chose. Hein. Voilà, il est obligé de mettre ses gargouilles. Je les fais tomber un petit peu. Normalement, j'aurais peut-être pas trop besoin de les def. On va mettre ça. Ah si, quand même, il a... là, je vais peut-être devoir faire une BDF, là, non? Oh purée, elle est mauvaise en plus, elle touche pas. Ah ouais, mauvaise, mauvaise. Mauvais pré-shot, là j'ai pas... ouais. Là il peut faire hi-hi-ha. Bien joué, bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. T'inquiète, on a eu l'habitude de prendre des coups, il faut rester humble. Ok, ok, ok. Ouf, ouais, si j'aurais su, je l'aurais pas joué comme ça. Ok, bon. Ah non, il tape. Ah non, il tape. Ah non, il tape. Ah non, il tape. Là, on a mal joué, là. Là, on a très, très mal joué le focus du sorcier. Il nous a déboîté. Il a pas de fût, hein. Je pense qu'on veut le géant royal, on va le jouer avec la bûche derrière. Hein. C'est parti, hein. Attaque à droite. Pré-shot. Le pré-shot claqué au sol. Ok. Bon, c'est pas grave. Ok. Le méga, le MK, le MK. Il faut le jouer... Est-ce qu'on craint à gauche c'est pas dangereux. Bah de toute façon à gauche on perd la tour, hein, on est d'accord, non? On la consacre. Ah 95 c'est bien, tant mieux si ça peut faire durer un peu. Oula 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 oula. Là il peut se passer un truc. Là, il peut se passer un truc. Non c'est bon purée. Oh qu'est-ce qui tempo bien. On lui met la pression, on lui met la pression. Bûche. Ah ouais on y va. La bûche trop tard. Bah là j'ai pas pré-shot mais le pré-shot d'avant était très mauvais donc. Oh là là, on va mettre ça. J'ai pas assez pour le MK, mais... Ouais. Attention, 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 attention. Là, il y a danger. Il y a danger. Il y a danger dans la surface de réparation. Mais on peut gérer. Attention, là, sorcière. Ouais, j'ai pas d'élixir. Là, je suis un peu short. Ouais, est-ce que je vais tenir jusqu'à ce temps-là? Il me faut vraiment un MK ici. Bim, sur les doubles sorcières. Ok, il a mis... Ça, c'est une erreur de sa part, je pense, d'avoir fait ça. Parce que là, il a plus de quoi défendre mon GR. Et là, il va prendre très cher. Il aurait pas dû mettre son armée de squelettes. Je vous le dis, ça va lui coûter la game. Regardez. Ouais, non, non, mais ça, c'est rien du tout, ça. Regardez, bim, hop, et hop. Ouais. Ah bah là, c'est lui qui a fait l'erreur, hein, moi, je sais pour rien. Bah, super. Qu'est-ce que je te dise. Y a plus les trucs. Ok. Et bah voilà, les potes. Il est là, le nouveau record. Oh là 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 là. Alors là, je vais vous dire, franchement, cette vidéo, je suis content de l'avoir tournée. Regardez-moi ça. Tac. Oh, c'est hey, magnifique, magnifique, on va se quitter comme ça, nickel, pas de déception, pas de game affreuse, formidable. Voilà, des remontadas, tout c'était nickel, j'espère que ça vous aura plu, à la prochaine, ciao ciao.